Depuis un certain temps, Aïcha Tremblay fait des vagues sur la toile avec sa demande de featuring à l'artiste malien Sidiki Diabaté. Nous vous disons tout après le générique. À peine arrivée en France, Aïcha Tremblay est de nouveau à la une d'actualité sur la toile. Pour cause, elle s'est affichée avec un grand artiste africain qui était très proche de DJ Arafat. En effet, après son retour de la Côte d'Ivoire, Aïcha Tremblay avait disparu des réseaux sociaux. Sa notoriété a chuté en raison du clash qui a vu le jour entre les Ivoiriens et les Camerounais. De plus, une autre starlette a attiré l'attention des internautes. Il s'agit de Princesse Traoré. Le silence de la star burkinabé était justifié puisqu'elle préparait ses dossiers pour rejoindre l'Hexagone. Et la nouvelle a été annoncée alors qu'elle était dans l'avion. Une fois à Paris, Aïcha Tremblay a ainsi rencontré Apoutchou National et Sidiki Diabaté. Cette dernière avoue être une fan de Sidiki Diabaté et décide de lui demander un featuring. « J'aime ta manière de chanter », a-t-elle ajouté. Dans la vidéo qui fait le buzz, elle a été vue très complice avec l'artiste malien Sidiki Diabaté. Elle l'a même surnommé Yakuba, celui dont le nom a été cité dans la vidéo qui l'a rendu célèbre. Alors selon vous, l'artiste malien Sidiki Diabaté pourra-t-il accepter ce feat avec Aïcha Tremblay? Laissez vos réponses en commentaire. Bye bye!